moi, j'ai retiré de moi-même mes enfants. Cette même personne qui fait partie du conseil d'école de Ménago, que j'ai rencontrée il y a maintenant un mois, donc elle a fait part de ça lors du conseil d'école. À la fin du conseil d'école, je l'ai rencontrée, j'ai dit, écoutez, madame, elle m'a dit, je ne travaille pas, mon mari non plus, avant de remettre les gosses, on veut régulariser le retard. J'ai dit, écoutez, venez me voir, venez me voir, on essaiera de voir ce qu'on peut faire ensemble. Hein. Je sais que les emplois ne courent pas les chemins, je n'ai pas au point un travail. Cela dit, on a la chance d'avoir un chantier d'insertion d'une trentaine de personnes, il y a un turnover, on est à même de vous proposer effectivement une activité qui vous permettra de, ben, d'abonder un peu si vous n'avez rien. Et on peut également voir avec le CCRS comment on peut intervenir. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est l'historique et on arrive là. Alors, ce système-là... Je peux rajouter un mot ? Oui. Tout ce que tu viens de dire, ça s'est fait en décision communautaire, ouais. Enfin, suite à des décisions prises en réunion communautaire par les élus, y compris les commissions, bien sûr, avant les réunions. Et pendant les réunions, ça a toujours été voté, décidé. Oui. Peut-être pas sur les maladresses, qu'on pourra parler peut-être après... Dans tous les cas, le fond a toujours été dit. Parce que, excusez-moi, là-dessus, ce que disent certains élus, pas vous, j'ai appelé ce matin d'autres élus de la communauté de communes, ils étaient évidemment au courant, ils disent, évidemment, ils ont accepté à l'unanimité